Aujourd'hui, on a réussi. Je crois que c'est une victoire de toute une équipe.
une direction qui a bien manœuvré, d'un staff qui a très bien travaillé, et les joueurs qui ont répondu présents sur le terrain toute la saison. Et à l'entrée, donc, il a travaillé aussi parce que l'effectif a été amputé de plusieurs blessés, donc de longue durée, il a fallu trouver des solutions et vous avez trouvé. Oui, ben voilà, c'est mon rôle d'essayer de trouver des solutions avec le staff. On en a parlé avec Bernard et Pierre chaque fois. Je crois que. On a surtout réussi à mettre une ambiance extraordinaire dans ce groupe qui s'est battu tous les uns pour les autres toute la saison et qui en plus j'ai dû vanner certains joueurs, les remettre à des places un peu différentes. Ils n'ont jamais rechigné, ils ont travaillé, ils ont joué, on leur a demandé de jouer. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est champion à 5 matchs d'affaires. Et maintenant, c'est la division 3 avec aussi peut-être des objectifs ambitieux. Et pourquoi pas, hein, je pense que. Le club est ambitieux, il y a une dynamique positive, on a un recours, donc je pense que le club a fait tout en sorte qu'on ait des joueurs intéressants pour la saison prochaine. Alors c'était vraiment la joie. C'est la joie, oui, on attendait, on s'y attendait. La loupée dans cette passée, cette fois-ci, on a bien commencé le match, on a respecté les consignes. On s'est pas enflammé, on est resté maintenant, ok, ils sont revenus, il y a eu un peu de marche dans la fin, mais voilà, c'est. On peut dire aussi, donc, la montée de devant. Oui, c'est surtout ça, il y a pas mal de rafales, donc voilà, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être en D3, c'était l'objectif. On a couru après pendant 4 ans, c'est plus des revenus, c'est pour ça. Oui, effectivement, c'est un peu des tours là pour retrouver aussi les joueurs joués, les joueurs joués comme aujourd'hui. Voilà, c'est bien, maintenant, ok, on va louper au SPF cette année. Bon, voilà, le fait d'avoir un petit peu, c'est encore plus beau. Et en plus, c'est pour retourner en cours en plus. Voilà, maintenant, on a la première chose, mais ok, il reste quelques matchs. Mais c'est, on s'est joué déjà le premier match la saison prochaine. Alors, nous, on n'était pas là aujourd'hui, mais. Déjà des artisans de ce succès avec des buts, des assists, une belle saison. Oui, ben voilà, comme je l'ai dit, comme l'a dit Eric, ça faisait 8 mois qu'on a travaillé pour arriver à ça aujourd'hui. Et on a fait le travail, et voilà, c'est parti, on est champion. Et c'est magnifique, tous les sportifs pour tout le monde. C'était un peu dur pour le retour de mi-temps. Mais c'est normal, enfin c'était quand même à moi. Il y a une bonne belle équipe offensive en tout cas. Et voilà, mais comme je le dis, c'est pas à la fin, c'est ça, on va retenir que ça aujourd'hui, dans les champions. Et en route pour la D3 à recours, tu seras avec nous. J'espère vraiment, on va se rencontrer avec la direction, et ben voilà, oui, bon, on va continuer le travail, hein. Le travail n'est pas fini, hein. La D3, puis on verra la D2 peut-être. Alors Bernard, tu as connu des plus grands choix avec le Liège de la grande époque. Qu'est-ce que ça te présente aujourd'hui, cette remontée en D3? Beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup et mes jamais un titre de champion, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Donc, pour moi, ça représente énormément, bien sûr, et en plus, avec toute la dynamique qui est posée maintenant par la direction, le retour en recours et le titre de champion qui vient en plus. Donc, je crois que c'est tout un club qui revit une nouvelle impulsion de nouveau qui est donnée. Et voilà, on va apprécier le moment présent. Alors, c'est le vieux pire de ton père et le tien qui revit vraiment. Je pense, oui, mais il ne faut pas oublier, je crois qu'il faut y associer tout le monde, tous les bénévoles, tous les supporters sans qui on ne serait toujours pas là aujourd'hui. Et la direction, la nouvelle direction qui a su insuffler et qui a su avoir les mots justes auprès des politiciens aussi pour qu'on puisse arriver à cet objectif de devenir à recours. Et puis évidemment, ben oui, l'équipe qui a fait le boulot sur le terrain. Donc voilà, je crois que. Il faut oublier personne, mais je crois que tout le monde a sa part dans ce type. J'ai mon petit-fils, petite. Le petit-fils est acquis. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tout d'abord, je suis content d'avoir porté chance parce que. Donc, je suis content que ça se soit bien déroulé. La première mi-temps était magnifique. Il y a eu un petit relâchement après, mais au bout du compte, c'est un titre qui a un peu non mérité. J'ai suivi tous les matchs pour mon coordinateur encore. Voilà, je suis heureux d'être là aujourd'hui parmi tous ces supporters qui n'ont rien lâché durant les 20 dernières années.
Et alors tu as dit un jour, je reviendrai. C'est toujours d'actualité. Je sais pas. On donne sa parole, il faut la tenir. Donc, je ne peux pas dire actuellement dans combien d'années ce sera. Mais si je serai encore dans ce moment-là, ouais, je l'espère évidemment. Mais si je serai encore un bon joueur à ce moment-là, c'est sûr que je porterai les maillots de Liège. Ce sera mon bel des maillots. Je suis déjà d'être retourné ici parmi qui c'est ce qu'on fait. Il y en a pas mal, il y a la finale contre Paris Saint-Germain. Mais dans 10 jours, c'est un bel événement pour moi et pour ma première saison. Maintenant, pour moi, je fais une finale de Stade de France contre Paris. Ça va être quelque chose de magique. J'espère évidemment bien figurer durant ce match-là. Et je vais penser pour la conduite de secondaire à DDH qui me suivent. Et bien, tu es bonne chance à vous remercier.